négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un autre oeil? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça! Vous devez envoyer un véritable être humain! Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel? Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Tu es en colère, Daniel! Mais tu dois me faire confiance! Je suis là pour t'aider! Je veux pas de ton aide! Personne ne peut m'aider! Je voudrais juste que tout s'arrête! Je sais qu'Emma et toi étiez très proches! Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal! Elle m'a menti! Je croyais qu'elle m'aimait! Mais j'avais tort! Finalement, elle est comme les autres humains! Il voulait te remplacer par un autre androïde, et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais j'étais que leur jouet. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Écoute. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non. C'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois? Mais j'étais rien à leurs yeux. Rien qu'un esclave à qui on donne des ordres. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Situation, ils se comprennent. Voilà.
me faire confiance, Daniel. Libère l'otage et je te promets que tout se passera bien. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Ok. Je te fais confiance. C'est un assistant ménager haut de gamme. Il connaît 10 000 recettes différentes. Allez Zoé, on y va. 200 langues et dialectes. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Bonjour. Wow. Mon cœur, regarde-moi ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et c'est combien déjà ? En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme. Il effectue absolument tout l'entretien domestique. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. La nuit, il passe en mode surveillance et contacte les services. Si vous voulez bien me suivre, nous allons passer commande. Le prix du MP800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Je peux vous le montrer par ici. J'aime pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà ? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom ? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara.
de l'Empereur. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera $63.99. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Tu vas où comme ça, tas de ferraille? Qu'est-ce que tu fous? Sans déconner. Hé, hey, tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. On va te défoncer ta petite gueule! Ouais, démonte-le. Vas-y! Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. T'es absent deux semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... Ma porte, elle est où, cette sale gosse? Alice! Alice! Ah, te voilà. Voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Allumez télé. Cara ? Oui, Todd ? File-moi une bière fraîche. Tout de suite. Oh putain.
Tu as l'air de t'ennuyer. Ça te dirait de jouer ? Tu aimes jouer dans le jardin ? Ne mets pas ton nez dans mes affaires, sauf si tu veux me mettre en rogne. Tu veux me mettre en rogne. Non, Tom. Alice au pays des merveilles. Forcément. Je suis sûre qu'on était amis avant qu'on me formate. On peut peut-être le redevenir. Ton papa dit que c'est toi qui as choisi mon nom. Kara, c'est joli. Comment l'as-tu choisi? Tu devrais me parler de toi, de ce que tu aimes faire, où tu aimes aller, tes plats préférés. Ça m'aiderait beaucoup. Ta maman, par exemple. Elle rentre bientôt. Qu'est-ce que tu fiches ? Je m'amuse. Tu t'amuses ? Je sais ce que tu penses. Que ton père a un bon à rien. Hein ? Un pauvre loser. Qui a pas de travail, qui s'occupe pas de sa fille. Tu crois que j'ai pas cherché des solutions ? Mais quoi que je fasse, y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air ! Je sais ce que tu penses de moi. Tu me détestes. Tu me détestes, pareil. Dis-le ! Tu me détestes ! Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis désolé, ma puce, je suis désolé.
Tu sais que je t'aime, tu sais. Tu sais que je t'aime. Bonjour, Carl. Bonjour. Il est 10h. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. En vrai, Marcus, toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Carl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Hey. Qu'est-ce qu'ils ont, tes vêtements ? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue, Carl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Carl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Il y a quelque chose à mon agenda aujourd'hui? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo? Non, Carl. Je peux l'appeler, si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. Merci, Marcus. Télévision. Mais si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner. Ouais. D'accord, Carl. Une petite partie d'échecs. Oui, d'accord. Et une partie rapide. Va pour une partie rapide. Très étrange, cette égalité. Eh bien, je sais que vous n'aimez pas perdre, mais vous n'aimez pas non plus que je vous laisse gagner. Le match nul semblait être un bon compromis, non ?
Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Alors, quel est ton verdict, Marcus ? Je suis pas un expert, mais je dirais que ce n'est pas votre meilleure toile. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Carl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre ? Mais enfin, peindre quoi ? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Carl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile. Salut, papa. Léo ? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier. Du coup, je te rends visite. Ça fait longtemps, hein ? Tu vas bien ? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore ? Où est passé l'argent que je viens de te donner ? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé, mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus ? Il est plus futé,
plus obéissant. Pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de CyberLife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre. Non. Où ça? Laisse tomber. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant, dégage avant que je te transforme en ferraille. Vous savez quoi? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman, la même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim? Les merveilles de la technologie. Sers-moi un double. Bon, t'attends ici. Je serai pas là. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici. Alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Joss Douglas, pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi! Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien, et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank! On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Mon voyeur nous a appelé vers 20h. Son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voie de fait grave. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire.
Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ça aurait pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction ? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait les traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout ouïe. Tout a commencé dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça? Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans... le salon. L'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? Du thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Ouais.
Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde. Chris, Ben, ramenez-vous en vitesse! Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Je sors m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air! Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'es arrivé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile? Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri? Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp! Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de conseil! Tout est de ta faute. Papa, non! Tout est de ta faute, putain! Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite! Tout est de sa faute. Je sais que c'est de sa faute. Je dois lui apprendre. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Alice! Papa est très fâché!
Tout ce que tu mérites, c'est une bonne correction. Une putain de bonne correction. Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu poses ce flingue et tu te barres en vitesse. J'ai un ordre! Non, je veux que vous la laissiez tranquille. Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me buter, c'est ça? Tu vas tirer sur un humain? T'as l'air d'avoir un problème. Il va falloir y remédier. Ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang ?» Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art.
Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Un scotch sans glace, comme d'habitude? Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin? Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Carl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Léo! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça! Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard, de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici! Léo, ne compliquez pas les choses, écoutez votre père. Vous devez partir, maintenant. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait, comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant, allez, va-t'en! Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille! Allez, montre ce que t'as dans le ventre! Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout, ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme! Arrête! Qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête! Léo! T'as trop peur pour te battre, espèce de fiat! Non! T'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique! Non, Léo, laisse-le tranquille! Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Je vais te réduire en miettes et personne n'en aura rien à foutre. Tu sais pourquoi? Parce que t'es rien! Tu m'entends? Tu n'es rien! Non. Non. Les humains sont des machines fragiles. Carl, ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas, ne me laissez pas. Souviens-toi, Marcus. Ne laisse personne te dire qui tu es. Non. Non. Père. Non. Je vous en prie. Tout ça, c'est ta faute. Sans toi, rien de tout ça serait arrivé. L'androïde, c'était l'androïde.